Florian et Philou, 6h-10h sur Ado. Premier réveil hip-hop R&B. Noom. Il est beau, il est là. Il a déjà lavé son costume de Père Noël, Mr. Loverman est également un peu un Père Noël. Il prépare sa tournée de la semaine prochaine. Exactement. Comment vas-tu, Noom, ce matin? Ça va très bien ce matin. Ça continue la pièce ou pas? Bah oui, toujours. Pendant les fêtes de fin d'année? Ah oui, nous, on joue, même le 31, on jouera. Ah, c'est bon esprit, ça. Ouais, c'est bien, voilà. Ça. J'aime bien le principe. Voilà, après c'est tôt et après tu vas réveillonner tranquille. Exactement. Avec Amel Chabi ou séparément? Toujours avec. Le réveillonner? Ah oui, le réveillonner. Séparément, elle a un truc de couscous de prévu. Moi, ah bon, le cliché. Amel et Noom sont tous les soirs dans la pièce Amour sur place ou emportée, même pendant les vacances de Noël. Donc, exactement. Au théâtre du Temple et tous les jeudis matins, Noom répond à vos questions. Vous avez un petit souci là, un petit souci de drague, un petit souci de relation de couple. Mr. Loverman l'a roulé, sa bosse. Exactement. Il a vécu tout ce que vous avez vécu, ou presque. Ou d'autres l'ont vécu. Hein, voilà, salaud, c'est vrai. Il peut répondre à vos questions. Aujourd'hui, on parle de quoi? Alors, on parle de Stéphane qui est resté avec sa meuf depuis 6 mois. Et ils ont cassé à cause de la routine. Ils se sont revus. Il a l'impression qu'il a moyen de remettre ça. Si elle est OP ou peut-il ou peut-il pas. Ah, en gros, c'est aussi la question. Genre, est-ce qu'on retourne le fameux du retourner avec ses ex? C'est ça. Exactement. Alors moi, j'ai envie de te dire que Stéphane, ressortir avec une ex, c'est comme réchauffer un plat au micro-ondes. Ça se mange, mais c'est pas forcément savoureux. C'est vrai. Mais bon. Et puis au bout de 6 mois, si t'as vu que c'était la routine, et vu que vous vous connaissez, ça va recommencer dans 2 semaines, tu vois. Là, s'il faut faire un effort pour casser la routine, donc ça veut dire peut-être, je sais pas moi, des activités insolites, Vélib, musée. Voilà. Avec le temps pourri, à mon avis, vous allez jouer à la console à la maison. Donc, à mon avis, ça va vite retourner dans le même problème. C'est trop chaud de casser une routine quand la routine s'est installée. Il est déjà trop tard une fois que la routine est là. Exactement, c'est trop tard. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont sortis 6 mois. C'était nul, il est parti. Il s'est pris 2-3 stops. Et c'est quand tu t'es pris des stops, tu fais, bon, finalement, elle était pas mal, mon ex. Bah ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est un truc de flemmard. C'est que t'as la flemme de draguer. Au moins, il y avait le minimum vital. Et là tu te dis, t'as pas envie de faire des efforts mec, tu veux retourner à... Mais non, bats-toi mon gars, la vie c'est dur, tu peux y arriver, tu peux en trouver une autre qui a vécu, il y aura des étincelles, une flamme de la passion, donc vas-y, arrête de... C'est trop la facilité. Et parfois ça arrive quand tu t'y attends pas, mais parfois tu attends beaucoup de temps. Oui, voilà, c'est vrai. Et là puis tu comprends, c'est l'hiver, il fait froid, t'as pas envie d'être dehors en train d'accoster les filles. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même... On n'est pas en mode été, c'est complètement différent. En mode été, on prend le risque, on sort, on reste la journée dehors, voilà. Là c'est l'hiver, je comprends qu'on a envie de rester au chaud à la maison, coucouner. Là à part au Starbucks, encore. C'est vrai que quand les canapés sont en velours, c'est assez confortable. Ouais, c'est vrai. C'est toujours plein. C'est clair. Quand tu dois attendre une demi-heure, vous avez remarqué au Starbucks quand vous devez attendre une demi-heure avant de pouvoir vous asseoir. Ouais, c'est sûr. Moi, je fais un coucou d'ailleurs, j'étais au Starbucks pour Saint-Émilion il y a quoi, 3 semaines, un mois, et les demoiselles elles m'ont dit, ah Florian, ado. Ah bon, d'accord. Ah bon, bonjour. Je leur ai dit, je connais Noom, hein, et là, direct, elles ont fait, forcément. Ouais, bah forcément. T'as pris ton numéro de téléphone, Starbucks, c'est un bon plan de drague, hein. Sérieux? Ah oui, Starbucks, oulala. Déjà, il y a toujours plein de filles. Toujours plein de filles, bah ouais, parce qu'elles aiment bien. Les rendez-vous entre filles, toujours au Starbucks. Exactement, parce que tu sais quoi? Elles pensent qu'elles sont dans Sex and the City. Ouais, c'est ça, elles sont avec un mocha chocolatin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors je vais mettre un petit peu de cannelle. Voilà, toi tu passes à côté. Le truc que tu fais, c'est que tu prends un chai tea latte. Que ça fait sexy. Qu'est-ce que tu bois? Un chai tea latte. Waouh. Après elle sort, elle voit un manifestant, elle font, oh putain, je suis en France. Non mais Starbucks, bon plan de drague. Je vous conseille les gars. Ah bah écoute, c'est le bon plan de Mr. Loverman. Yes. Bonne semaine Noom. Et ah bah la semaine prochaine, ce sera presque Noël, mais on sera encore là. Donc, ce sera juste avant nos vacances. Ok. Ciao ciao. Ciao ciao. 6h-10h, c'est le morning de Florian et Philou. Florian et Philou, 6h-10h sur Ado, premier réveil hip-hop R&B.